jolie forme. Excusez-moi. J'ai dit, ta robe met en valeur tous tes atouts, bébé. Ça me fait plaisir de l'entendre. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Je monte faire un tour avec toi. C'était pas ce que tu voulais quand tu m'as klaxonné. Ouais. Mais en fait... Allez, fais-moi faire un tour. Ouais. Donc, ta femme accepte que tu klaxonnes des filles comme moi. Et alors? C'était juste un petit compliment en passant. Oh. Ben, t'as encore rien vu alors. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'en penses quoi? Sainte mère de Dieu. Waouh. Ah! Oups. Je t'ai un peu distrait, non? Mince. Un flic. Monsieur, sortez de la voiture. Désolé, officier. Je peux tout vous expliquer. S'il vous plaît, monsieur. Désolé, officier. Je suis avec ma femme. Je l'emmène à l'hôpital. Elle se sent vraiment pas bien et... Ok. Merci, monsieur l'agent. Et... J'ai dû leur dire que j'allais à l'hôpital. Ouais. Hé, où est-ce que je t'emmène? Nulle part, je voulais juste faire un tour avec toi. Appelle-moi si tu veux en voir plus. Hé. Je suis marié. Je sais. Cette fille. Oh. Salut, chérie. Salut. Ça a été ta journée? Oh. Affreuse. Mes brûlures d'estomac me tuent. Il y a peut-être du gaviscon ici. Ouais. C'est quoi ça? Dis pas de bêtises. C'est une culotte rouge. T'es vraiment un porc! Honnêtement, je sais pas du tout qui l'a laissé là. Arrête! Sors arrête. De la voiture! Okay. Allez, okay. Dégage, bâtard! Okay. Chérie. 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 Je t'enverrai les papiers du divorce! Chérie! S'il te plaît, chérie. T'en vas pas, chérie! Ouvre-moi! Tu l'as fait exprès, hein? C'est pas vrai? Cette culotte. Je peux vous aider? Je suis désolé, monsieur. C'est une belle journée, non? C'est sûr. Je cherche une fille. Elle s'appelle... Riley Cyrus. Je la connais. Vraiment? Ouais. C'est ma femme. C'est bien. Et c'est sa culotte que vous tenez. Quoi? C'est pas aussi simple, en fait. Je suis juste... Ah.
Bonjour. Pourquoi? Tu crois que tu peux dire ça à une femme dans la rue? Oh. Elle a ruiné mon mariage. Tu dois dire à ma femme que j'ai pas couché avec toi. Ah ouais? Et à quoi tu t'attendais en klaxonnant une fille dans la rue? Que je sauterais dans ta voiture parce que t'es trop cool et que tu m'as remarqué? C'était... Mon Dieu, je te faisais juste un compliment. Un compliment? Eh ben ça, c'était pas un compliment, ok? C'était un commentaire déplacé. T'aurais pas pu juste m'ignorer. Mon Dieu. Waouh. C'est clair que tu sais pas combien de fois par jour les femmes doivent gérer ça. Allez. Quoi? Tu veux que je t'aide avec ta femme ou pas? Lève-toi. Lève-toi. Chérie, je reviens vite. Oh, Riley. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vas voir ce que les femmes subissent en une demi-heure de jogging. Regarde ça. Oh, waouh. Hé, allez. Ici. Où est-ce que tu cours comme ça, chérie? Hey. Hey, bouge tes jambes, ma belle. Oh, qu'est-ce que... Et si tu venais faire du cardio chez moi, poupée? Alors, combien de compliments t'as compté en tout? 10. Tu vois. Mais... Tu crois pas que tu les provoques un peu? Enfin, je veux dire... Tes vêtements... Ah, donc c'est de ma faute si les hommes me regardent comme un morceau de viande. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? On va voir ça. Hé, hey, mademoiselle, vos lacets sont défaits. Oh, merci. Jolie courbe. Écoute! Oui? T'as raison. Je suis désolé pour mon comportement. J'avais pas compris, en fait, qu'un simple jogging pour une femme, ça pouvait se transformer en cauchemar. À cause de nous. Ouais. Les hommes. Bienvenue dans la réalité. Ça va pas ou quoi, mec? Qu'est-ce que tu lui veux? Elle fait juste du jogging. Tu peux pas la garder dans ton pantalon, idiot! Linda. Qu'est-ce que tu fais là? Eh. Ben ouais, bien sûr que je lui ai dit. Je suis pas un monstre. Bonne chance, tous les deux. Chérie, je suis désolé pour mon comportement. J'ai retenu la leçon, mais... Si t'es pas prête à me donner une seconde chance, je comprends. Eh bien... Une seconde chance... Ça se mérite, Harvey. Je ferai de mon mieux, poupée.